السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الفرد الثاني في الدورة الثانية بالنسبة لمادة اللغة الفرنسية المستوى الرابع ابتدائي. إذا غادي يكون هذا هو النموذج الآخر، سبق لنا وحطينا لكم نموذج على القناة. بالنسبة لرابط تحميل الفرد غادي تلقوها أسفل الفيديو داخل صندوق الوصف، وأيضا ستجدون رابط صفحتنا على الفيسبوك إسهام تربوي. إذا نبدأ بقراءة النص. Un petit chacal assis sur un tapis vole dans les airs. Il est très content de se promener sur le tapis volant. Jamais il n'a fait un aussi beau voyage. Tout à coup, il aperçoit son cousin le renard qui mange des fraises. En même moment, le tapis descend et se rapproche de la terre. Le petit chacal, en se penchant un peu, crie « Hé renard, ne mange pas toutes les fraises, laisse-moi quelques-unes. » Surpris, le renard lève la tête et aperçoit son cousin. Mais au lieu d'offrir des fraises aux voyageurs, il continue de manger. Mécontent, le petit chacal se penche tellement qu'il tombe et se retrouve par terre devant son lit, avec une bosse sur le front. Le beau voyage sur le tapis volant n'était qu'un rêve. Il n'y a pas de mojarrad. Le petit chacal, c'est un animal, حيوان ابنه. اوا واحد الحيوان كيشبه للذئب. اذا ننتقل الان بالنسبه للكومبريونسيون دو ليكري. السؤال الاول دون ان تيتر ا سو تيكست. اذا هنا طلبوا منا اننا نعطيو عنوان لهذا النص هذا. دونك كيف ما كتلاحظوا ان النص كيتحدث على هذا لانيمال ان بوتي شاكال، اذا نقدروا نسميوه كعنوان ان بوتي شاكال، او لا نقدروا نسميوه اوسي Le rêve d'un petit chacal, لأنه كان في واحد الحلم. Le rêve d'un petit chacal. سؤال ثاني، كي voyage dans ce texte. Donc, c'est le petit chacal. Un petit chacal. La troisième question, pour voyager, le chacal utilise un tapis volant, un avion, la fusée. Et dans le voyage, il y a le petit chacal qui est sur un tapis volant. 4. De quoi parle le texte? Il y a un tapis volant d'un petit chacal. Donc, il parle d'un rêve sur le tapis volant d'un petit chacal. La question numéro 5, combien y a-t-il de personnages dans ce texte et lesquels? Donc, من خلال قراءتنا كاينين deux personnages, كاين le petit chacal ou كاين aussi le renard, يعني deux personnages. Le renard et le petit chacal. La question 6, cette histoire est-elle réelle? Justifie ta réponse. Et donc, cette histoire est réelle. Et qu'on lui a dit, n'est pas réelle, non. Pourquoi? Car le chacal ne rêve pas. Le chacal ne rêve pas. Donc, on va écrire non, car le chacal ne rêve pas. La question 7, as-tu aimé ce texte? Pourquoi? Et donc, on va dire que je vais comme un أو لا يعني واش عجبتكم هاد القصه ولا ما عجبتكمش، وغادي تقولوا علاش. دونك نقدروا نقولوا وي، يعني قلت ان عجبتني القصه كار، نقول دابا بوركو.
car c'est une histoire drôle, ou c'est une histoire amusante, etc. On passe à la grammaire, souligne les phrases négatives. Donc, بالنسبة للا فراز نيجاتيف باش تقدروا تعرفوها ما بين هاد لي فراز هادو كيكونوا فيها هادوك لي زيليمون دو لا نيجاسيون اللي هما سوا كتلقاو نو با كتلقاو نو جامي بيان كتلقاو نو ريان ايتترا دونك هادو هما لي زيليمون دو لا نيجاسيون الا كانوا في هاد لا فراز دونك سي اون فراز نيجاتيف. Nous avons à la mosquée pour faire la prière. Non. Elle dit c'est une phrase affirmative. Je ne laisse pas. Donc il y a ne ou il y a pas. Donc elle dit c'est une phrase négative. Il y a un trop. Elle est. Donc quand tu as un jour les plantes grandissent vite. Non. Elle dit mais c'est une phrase négative. Ne mets jamais. Il y a ne jamais. Il y a un trop là de la phrase. Le feu aux arbres. نتقلوا لا كيسيون نيميرو 2. Transforme les phrases suivantes en phrases négatives. Tu vas à la forêt pour se promener. Donc il a بغينا نحولوها لاون فراز نيجاتيف ضروري خاصنا نزيدو هاد لي زيليمون دو لا نيجاسيون. ولكن دابا السؤال المطروح هو فين غادي نضيفوهم او نيفو ديال هاد لي فراز. Donc tu vas à la forêt pour se promener. اول حاجه كنكتب لو سوجي. Donc ضروري تيبقى في بلاصتو. Donc لاحظوا معايا مورا سوجي كاين لو فيرب. Mais bien le sujet ou le verbe, il y a le verbe qui dire ne. Il y a tu ne, ou on exhibe le verbe, tu ne vas. Une fois qu'on exhibe le verbe, on dire moura pas. Donc tu ne vas pas, ou on exhibe la phrase. À la forêt pour se promener. C'est clair? La même chose, on dire binisbal la deuxième phrase. Le guide touristique annonce le départ de la randonnée. Donc c'est le sujet. Le sujet n'est où le guide touristique. Une fois que c'est le sujet, on a le verbe. Il y a le verbe, on dit « ne ». Là, il est « ne » fait « e ». E غادي تلقى لينا مع A يعني خصنا نرجعها apostrophe خصنا نحط هنايا N apostrophe غادي نكتبو n'annonce une fois نكتب le verbe نزيد عليه pas n'annonce pas ونكملو la phrase le départ de la randonnée. La dernière phrase il est interdit de cueillir des fleurs. Donc la même chose ici, on met le sujet. On va dire le ne, donc il y a e mais e, il y a un apostrophe comme ça. On écrit le verbe il n'est, ou moins le verbe on dit pas, il n'est pas interdit de cueillir des fleurs. Trois, mais c'est déterminant au tableau suivant. Nama, c'est nos, c'est votre, ce. On a les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Donc, les adjectifs possessifs comme ma, nos, votre, etc. Donc, ma, adjectif possessif. C'est adjectif démonstratif. Nos, adjectif possessif. C'est adjectif démonstratif, votre adjectif possessif, ce adjectif démonstratif. La quatrième question complète ces phrases par des adjectifs possessifs et démonstratifs. Ce, vos, cette, leur. Ramasser, affaire. Donc, il y a un dit pluriel, il y a un dit vos affaires. Ramasser vos affaires. Garçon est très aimable. Donc, on a un dit masculin. Donc, on va écrire ce garçon est très aimable. Donc, montagne est splendide.
C'est féminin. Cette montagne est splendide. Les élèves finissent exercice, donc c'est pluriel. Les élèves finissent leur exercice. On passe maintenant à la conjugaison. La question numéro 1, classe les verbes conjugués selon le tableau ci-dessous. Rendons, j'ai fini, dit, tu es venu, nous sommes allés, tu as mangé. Donc, on va classer l'impératif, passé composé avec l'auxiliaire être et passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc, rendons, c'est l'impératif. J'ai fini, passé composé avec l'auxiliaire avoir. Dit, c'est l'impératif. Tu es venu, passé composé avec l'auxiliaire être. Nous sommes allés, passé composé avec l'auxiliaire être. Tu as mangé, passé composé avec l'auxiliaire avoir. On passe à la question numéro 2. Complète ces phrases avec le pronom personnel convenable. L'été dernier, avons visité la ville de Nador. L'été dernier, nous avons visité la ville de Nador. Pendant le dernier week-end, on jouait un match de football. Ils ont joué un match de football hier. Nous sommes allés à la forêt la semaine dernière. Tu es venu en avion. La question numéro 3 conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Hier soir, Rim avec ses parents à Casablanca partir au passé composé. Donc, Rim, d'alors il y a un diro. L'auxiliaire être avec le participe passé. Donc, on va écrire rim et parti. Donc, on est parti. On va écrire rim féminin. On va dire e à la fac. On va dire l'accord avec le sujet. Les touristes des photos souvenirs prendre au passé composé. Donc, les touristes ont pris des photos souvenirs. Attention à votre comportement en forêt, faire à l'impératif. Donc, faites attention à votre comportement en forêt. On passe à l'orthographe maintenant. La question numéro 1, barre l'intrus dans chaque liste. Guide, bague, goutte, légumes, cage. Et dans l'intrus, من خلال النطق شوفوا هنا كي جي كنبرونسيها غ guide. Bag, goutte, légumes. Ou n'y a qu'un prononciage cage. Donc, c'est d'avoir l'intrus. Mariage, gilet, génial, nuage, guitare. Donc, c'est d'avoir qu'un prononciage je, mariage, gilet, génial, nuage. Par contre, guitare, c'est un prononciage g. Donc, c'est d'avoir l'intrus. Complète ces phrases avec en ou bien ont. On a lu une belle histoire. Donc, on a lu. Donc, on a dit O-N. Les touristes prirent l'avion pour aller à Zagora. Donc, on a pris le verbe avoir. La question numéro 3 complète ces phrases avec son, S-O-N ou bien S-O-N-T. Son. Mohamed est. Son ami Mourad vont à la plage. Ils sont très contents. Donc ici, Mohamed et son ami. Donc, Neders had son S-O-N, adjectif possessif, vont à la plage. Donc, on dit le sujet, je me ressource sur le verbe. Le verbe voit had son. Ils sont très contents. La question 4. Remplis les vides par C avec ses apostrophes C, C, E, S ou bien C, S, E, S. Dis-moi,
C'est vrai que tu pars en France pendant les vacances? Donc non, c'est avec ces apostrophes. Ces monuments historiques et fabuleux. Ces monuments historiques et fabuleux. Mon père porte ses lunettes, donc Narandiro S-E-S. نتقلوا الآن للصفحة الموالية. La cinquième question, réécris ces phrases en mettant le sujet au pluriel. Le voyageur a pris une photo. Le voyageur voit le sujet, on dit le pluriel. يعني غادي نكتبو les voyageurs. Les voyageurs, S à la fin. Après, ما غاديش تبقى après, وإنما في بلاصة هاد A, on dit en pris une photo. Son camarade a joué au ballon. هنا اللي بغينا نحولوها للجمع غادي نقولوا سي كاماراد avec s à la fin. هنا a joué غادي تولي on o n t joué au ballon. Donc on passe maintenant بالنسبه ديال غير ليكريتور يعني نتوما غتعاودوا تنقلوا هذا الشيء هنايا هنايا راه عندكم الاملاء لا ديكتي البروفيسور هو اللي غايقول لكم شنو غتكتبوا هنا وغادي نمشي مباشره للبرودكسيون دو ليكري مي اون اوردر لو تيكست ناراتيف سويفون دونك هنا غادي نرتبوا هاد الجمل عندنا ليتي ديرني جو سوي بارتي او ليبان افيك مي بارون نوتر بروغرام ايتي شارجي مي جي ايمي شاك مومون انفان Nous avons consacré le dernier jour aux achats des cadeaux. Dis, m'a dit enfin qu'est-ce qu'on y a le chra. Donc, on a dit rebattre les tirés, il y en a ce qu'on a dit à la quatrième. Tout d'abord, nous avons visité le centre-ville et on a pris des photos souvenirs des monuments historiques. Ensuite, nous avons assisté au festival de Baalbek. Donc, on a dit tout d'abord qu'est-ce qu'on mourra. Ensuite, tout d'abord, ensuite. L'été dernier, il y a l'oul. Donc, l'été dernier, tout d'abord, il y a la deuxième, ensuite, il y a la troisième. Donc, l'été dernier, je suis parti au Liban avec mes parents. Notre programme était chargé mais j'ai aimé chaque moment tout d'abord nous avons visiter le centre-ville et on a pris des photos souvenirs des monuments historiques. Ensuite, nous avons assisté au festival de Baalbek. Enfin, nous avons consacré le dernier jour aux achats des cadeaux.
On passe maintenant à la deuxième question. Enrichis le texte en ajoutant ces expressions: mosquée impressionnante, monument historique, beauté Casablanca marocaine. La Hassan II est un gigantesque. Donc la mosquée Hassan II est un gigantesque situé à donc gigantesque quoi? Gigantesque monument historique situé à Casablanca, construite sur l'océan, cette mosquée ressemble à une nef divine. Sa très grande beauté vient du fait qu'elle réunit l'architecture traditionnelle, bien sûr marocaine, et une technologie très moderne. Elle est vraiment éblouissante et impressionnante. وكنكونوا قاعدين تاهينا من صحيح هذا النموذج ديال الفرد الثاني الدورة الثانية مادة اللغة الفرنسية المستوى الرابع ابتدائي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. أتمنى لكم التوفيق. إلى اللقاء.